Paolo Hannan avait que 21 ans lorsqu'elle est devenue maman d'une petite Mindy. Malheureusement, à ce moment-là de sa vie, celle qui s'est fait connaître en participant à l'émission de télé-réalité Love Story ne pouvait pas vraiment assurer l'éducation de sa fille. La garde de son enfant lui a donc été reconfiée très tôt à la DAS, le bout de chou a grandi sans sa mère à ses côtés et visiblement, âgée de 23 ans aujourd'hui, la jeune femme ne compte pas rattraper le temps perdu. Interviewée par Voici, ce mardi 5 octobre, Loana a révélé que ses relations avec sa fille sont quasiment inexistantes. Elle veut rester dans son coin et ne veut pas ressembler à sa mère, a-t-elle expliqué, en précisant que Mindy ne veut plus avoir de contact avec elle. Celle qui est désormais maman à son tour n'est d'ailleurs pas passée par quatre chemins pour lui faire comprendre qu'elle ne souhaite pas passer du temps avec elle. Quand on vous dit, je n'ai pas envie de te voir, on ne va pas non plus insister, a-t-elle affirmé auprès de nos confrères, en précisant, dépité, j'ai l'impression d'avoir la paix, je ne suis pas une paria. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Face au choix de sa fille, Loana tente maintenant d'accepter la situation, aussi difficile soit-elle, même si c'est un membre de votre famille, qui vous répète sans cesse qu'elle ne veut pas vous voir parce qu'elle ne veut pas vous ressembler. On laisse donc Jai carrément effacer son numéro de téléphone, comme ça au moins, je suis sûre de ne pas la rappeler, une maman qui a suffisamment souffert et qui rend les armes devenue grand-mère, l'ancienne candidate de Love Story n'a toujours pas eu le privilège de voir le bébé de Mine. On s'est vu une fois et je lui ai dit, est-ce que je pourrais la voir? Et elle a dit, non, tu ne la verras jamais. C'était dans une villa, on était seules, toutes les deux. Déjà la conversation avait mal commencé, mais on avait passé un bon moment. Après ça s'est dégradé, a déclaré Loana, qui se dit que dans l'avenir, on verra bien, mais qui n'a pas d'autre choix, pour le moment, que de s'adapter. Là pour l'instant, Jai tirait un trait de « Jai suffisamment souffert de ne pas l'avoir élevée et vu grande, maintenant elle me repousse, Jai n'est suffisamment pleuré, torturé le cerveau et le cœur donc maintenant je préfère passer à autre chose », a-t-elle conclu, avec émotion.